Yo les gars, c'est Darking pour une nouvelle vidéo sur Primeria, le 6ème épisode de la série Minecraft Survie 1.14. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Et on peut voir là-bas un petit pic zombie qui s'est perdu. Au programme de cette vidéo les gens, comme vous y pouvez voir dans le titre de la vidéo, nous allons retourner miner. Pourquoi nous allons retourner miner? Parce que c'est vrai que le premier épisode, j'ai réussi à avoir mon stuff en diamant dans le premier épisode où j'ai miné du diamant, donc c'était il y a 4 jours ou 5 jours. Mais j'ai perdu 35 diamants, j'ai perdu beaucoup de diamants. Et dans la dernière vidéo avec Flanou, dans les dernières séquences, il y a une personne qui m'a donné 16 diamants. Donc du coup maintenant je suis à 26 diamants. Ce que je vais faire tout de suite, c'est tout simplement crafter une pioche en diamant et aller l'enchanter à la table d'enchantement. Même si j'ai que 15 niveaux, écoutez, ça peut potentiellement être une bonne pioche de style efficacité 2, efficacité 3. Donc voilà, on va aller l'enchanter le level 15. Ah mince, il me faut de la lapis lazuli. Il y en a ici. Hop, c'est chouette. Donc maintenant il me faut genre... Ah mince. Ah ouais, putain, efficacité 4. Ah ouais, bon bah du coup je vais pas l'enchanter maintenant. Je vais pas l'enchanter maintenant parce que si je l'enchante maintenant, ça va vraiment pas être fou. Donc ouais, c'est dommage. J'aurais voulu avoir une petite pioche efficacité 2, efficacité 3 pour aller plus vite. Mais écoutez, je vais garder la pioche que j'ai en ce moment. Et nous allons directement aller miner. Donc pour aller miner, bien évidemment, il va me falloir un peu plus de bouffe. Donc je vais chercher de la bouffe et on se retrouve juste après. Bon ok, c'est bon, après avoir désespérément cherché dans mes coffres, j'ai réussi à trouver un peu de mouton cuit. Donc maintenant je suis à 32 steaks. C'est vrai qu'il faudrait que j'arrive à avoir plus de steaks que ça, parce que là c'est vraiment la crise. Bref, on va s'éloigner du village de Primeria comme d'habitude. Mais je vais pas m'éloigner par là, parce que je m'éloigne souvent par là pour aller vers les mines. Je vais tout simplement partir par là-bas. Donc voilà, on va partir vers le X pour aller vers 2000-3000 blocs du village de Primeria. Donc voilà, côté de la belle maison de j'allais dire level 10, mais est-ce que c'est bien level 10? Oui, c'est la maison de level 10, c'est Ophélie ça. Nous les gens, on se retrouve dès que nous sommes au moins à 3000 blocs du spawn, du village de Primeria, excusez-moi. Et l'objectif de cette vidéo serait, pourquoi pas, de se faire 7 blocs de diamants, donc c'est-à-dire 64 diamants dans cette vidéo. Plus essayer d'avoir 30 niveaux pour pouvoir s'enchanter une pioche. Allez, c'est parti, on se retrouve dès que nous sommes à 3000 blocs du spawn. Ah, du village de Primeria, j'ai du mal. Ok, bon bah je suis à 1600 blocs, donc je pense que je vais descendre maintenant, parce que bon, je pense que 1600 blocs ça devrait le faire. Je vais tout simplement, ouais, pour aller miner, je vais mettre option graphique, shader désactivé. Sinon bah je vais strictement rien voir et ça serait dommage. Donc ouais, donc là on est parti pour une belle session de minage. J'espère au moins avoir, comme je vous l'ai dit, un stack de diamants, ça serait pas mal. Donc voilà, je vais descendre jusqu'à la couche jusqu'à la couche 11. Je pense que c'est ici, hein, on peut trouver le plus de diamants, la couche 11. Donc voilà, je descends jusqu'à la couche 11 et nous on se retrouve juste après, dès que je suis descendu à la couche 11. Donc à tout de suite. Les gars, je viens tout juste d'arriver couche 11 et regardez quoi... Non mais mec, c'est insane. Il y en a combien de diamants? Il y en a 8. Oh mon dieu, putain mec. Ça part déjà sur du très bon bail là. Je suis très content. Franchement là, c'est parfait. On mine 11 diamants. Enfin 8 diamants du coup dans l'inventaire en plus. C'est parfait. Écoutez, je vais mettre le son de mon jeu tout simplement pour entendre s'il y a des grottes et tout ça. Donc nous, on se retrouve juste après si j'arrive à trouver du diamant. Allez, à tout de suite. Ok, bon bien, je viens tout juste de dire s'il y avait des grottes. Et bah, je viens tout juste de tomber sur une grotte. Donc on va tout de suite, hop, enlever l'eau. Ça peut nous gêner. Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir dans ces petites... Oh, va falloir qu'on aille là-bas. Attendez, je sais pas si le son ça peut vous gêner ou pas. Écoutez, aujourd'hui je vais laisser le... Ouais non, je sais que moi personnellement le son ça me gêne. Donc je vais enlever le son. Et oh, encore du diamant. Oh là là, j'ai l'impression d'être sur Palladium. Donc le diamant c'est pas important, mais c'est ultra important en fait. Donc je vais le prendre. Hop, donc là on est à 15 diamants en même pas 2-3 minutes. C'est parfait, franchement c'est parfait. Hop, on prend la redstone parce qu'il faut pas oublier notre objectif d'avoir quand même 30 levels, 30 niveaux pour enchanter une pioche. Donc voilà, on n'oublie pas cet objectif là. Donc la redstone on la casse. J'étais un peu con là par contre sur le moment où j'ai enlevé l'eau, parce que l'eau ça aurait pu me servir tout simplement pour aller là-bas, parce que je suis sûr que là-bas il peut y avoir des choses intéressantes. Donc on va tout simplement essayer de chercher d'autres sources d'eau. Et aussi pourquoi pas d'autres diamants, ça serait plutôt pas mal. Donc là je monte un peu, là je suis à la couche 20, donc il va rien avoir à la couche 20. C'était prévisible. Ouais, bon la grotte elle est petite. Bon c'est encore en hauteur, mais attendez, je suis pas allé par là. Non, je suis pas allé par là. Ok. Et à droite aussi.
Il y a... Oh, encore du diamant, les gars. Mais c'est quoi ce bordel? Que du diamant aujourd'hui. Yes. Yes, yes, déjà 20 diamants. Je vous rappelle que dans le dernier épisode, pour avoir 20 diamants, on a galéré comme pas possible. Là, on les a, mais en une seule traite. Clairement, c'est parfait tout ça. Et encore du diamant. Mais what the fuck? Mais cette mine, elle est gorgée de diamants. Mec, 23 diamants. Cette mine est vraiment gorgée de diamants, quoi. C'est ultra cool. Et je suis sûr que c'est pas fini. Je sais pas pourquoi cette mine, je la sens ultra bien. Donc du coup, on va encore miner un peu d'XP. N'oublie pas l'objectif d'avoir 30 niveaux avant de rentrer au village de Primeria. Ok, donc là, ça monte. Donc je vais pas avoir grand-chose par là. On sait jamais, attendez. Pas avoir grand-chose. Par contre, je vais quand même monter parce qu'on sait jamais, ça peut ramener autre part. Alors, j'étais par où? Parce que je savais qu'il y avait un autre chemin pour aller en bas. Mince. Je suis arrivé par là, j'ai vu le diamant. J'ai vu la redstone. Ah non, c'est la fin. Ok, c'est la fin de la grotte. Ok, parfait. On va bientôt arriver sur notre niveau 20. Ouais, non, c'est la même grotte. Ok. Donc là, ça va être périlleux, hein, ce que je vais faire. Tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas des monstres qui viennent m'attaquer pendant ma chevauchée dans la lave. J'ai quand même envie de tester là-bas parce que la source, elle va encore loin. Donc peut-être que ça peut nous emmener sur une autre... Ça a été quand même une grotte assez, assez cool. Plutôt cool pour notre... Pour notre mine de diamants. Donc on a trouvé 23 diamants dans cette mine. Donc là c'était vraiment une mine gorgée de diamants. On est couche 11. On est reparti pour chercher d'autres grottes ou d'autres diamants à trouver. Allez, c'est parti, je vous retrouve dès que j'ai quelque chose d'assez intéressant. Ah voilà les gars, regardez, je suis au niveau 20. Donc c'est plutôt cool. Plus que 10 levels et nous allons pouvoir enchanter une pioche level 30 sur Primeria. Donc c'est cool, franchement je suis très content. Ah, on entend de l'eau. On entend de l'eau au moment où je vous parle, donc attendez. Ça peut être intéressant de trouver cette grotte. Parce que je suppose que c'est une grotte. On s'en rapproche du moins. Ok, bon, comme je vous dis, on s'en est approché, on y est même. Donc attendez. Ce que je vais faire, déjà, c'est enlever le son. Ok, parfait, le son est enlevé. Mais j'ai l'impression... Oh non, j'ai l'impression que c'est une grotte nulle, là, par contre. Ouais, non, c'est une grotte nulle, donc on va continuer le minage. Parce que là, clairement, c'est... Ça en vaut même pas la peine. Hop, voilà, parfait. Et on continue le minage vers une ligne droite. C'est parti. Yes, 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 les gens, du diamant. Oh non, me dis pas qu'il y en a qu'un. J'étais en mode, ouais, trop bien du diamant. Mais s'il y en a que un, ok, il doit en avoir trois. Ok, il y en a trois en tout. Bon, bah écoutez, je suis à 29 diamants. On est bientôt à la moitié de notre objectif d'avoir 64 diamants. C'est encore faisable. Oh, on vient de trouver une mine, une mini-mine. Attendez, là, il y a encore une ouverture par là-bas, donc on va aller voir ça. Bon, les gars, je viens de faire une découverte assez surprenante. Regardez-moi ça, en fait, c'est une grotte avec déjà du magma. Donc, qu'est-ce que fout du magma déjà dans le monde normal? Mais surtout, c'est que, en fait, c'est une grotte, mais qui... avec de l'eau. Genre, what the fuck? Oh, putain, j'étais à 4 coeurs. Ouais, ben non, en fait, on va pas aller par là. Déjà, il y avait du magma. Je sais pas ce que foutait du magma ici. Ok, bon, bah écoutez, on va partir d'ici. Et puis on va pas chercher plus loin. Écoutez, on va rester dans notre coin. On va continuer à miner. Mais là, c'est. Mais pourquoi il y a du magma? Pourquoi y a-t-il du magma dans ce putain de. Je ne comprends vraiment. Je comprends rien, les gars, vraiment. J'aurais pu penser que c'était quelqu'un qui me trollait, mais non. Wow, mais je comprends rien du tout avec le magma. C'est assez insane, j'avoue là que on comprend pas grand chose. Bah là c'est pareil, mais en fait je trouve des grottes mais... Mais what the fuck, je comprends que dalle. Je ne comprends mais vraiment rien. Au secours. Faudrait que j'essaie de voir en plus ce qu'il y a dans ces grottes. Parce que peut-être qu'il peut y avoir des diamants. Ouais, mais c'est des grottes souterraines. Des grottes souterraines les gars, je ne comprends mais vraiment rien. Ok les gars, donc là j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant dans les cavernes sous-marines. Donc j'ai demandé à Flanny si elle avait déjà vu ça. Donc merci à Flanny de m'aider. Donc ouais, elle a déjà vu ça. Donc j'ai vu par contre du diamant dans les cavernes sous-marines. C'est pour vous dire que les cavernes sous-marines peuvent nous donner quelques petits trucs intéressants. Regardez là, il y a du diamant. Oh attendez. Oh mais nickel. Il y a un espace pour respirer. C'est vraiment dommage que... Après, mais il y a plein d'espace pour respirer, ça c'est cool. Genre, il n'y a pas moyen d'enlever l'eau. Genre, il y a moyen d'enlever l'eau en vrai. Bon, si je fais de la merde comme ça, c'est sûr que je vais pas enlever l'eau. Mon diamant. Ok, c'est bon, j'ai récupéré mon diamant, il y en avait que deux. Ok. On va essayer d'aller par là. Je pense qu'il peut avoir plus de diamants en vrai. Je pense. Ok. D'accord, ok. Bon, on a 31 diamants pour le moment. On a fait la moitié du chemin.
pour avoir nos 64 diamants. Ah ouais, mais les gars, c'est hyper stylé. Ah mais en fait, je suis dans un biome genre pas très cool en fait pour miner. Donc on va tout de suite monter. Je visite, hein. Franchement les gars, je suis un total visiteur. Ok, heureusement qu'il... Oh, il y a un coffre. Il y a quoi dedans? Oh, carte du trésor. Il y a une carte de trésor. Oh, non. Oula. Waouh, mais je comprends rien. Écoutez, on fera ça pour la prochaine vidéo. On a trouvé une carte du trésor dans cette vidéo et on ira chercher la carte au trésor dans la prochaine vidéo. Mais c'est vrai que je comprends pas grand chose. Au secours. Je suis un noob pour vous en vrai. Hein. J'assume complètement. Mais je vais la garder avec moi. Écoutez, on va aller sur la terre ferme. Ah bah, il y a déjà eu quelqu'un. Ah non, c'est une... Ok, je sais pas. Genre, s'il y a une tortue qui s'est mise sur un autre bateau. Bon bah, ok, parfait. J'ai une carte au trésor. J'ai 31 diamants. On est plutôt bon là en vrai, on est plutôt bon. Il nous faut encore la moitié de ce que j'ai pu avoir, donc encore 32 diamants pour finir notre objectif. Et puis ça sera bon. Bon les gars, je pense que pour le minage on va s'arrêter là. Malheureusement on va repartir qu'avec 31 diamants. C'est pas énorme sur ce que je voulais faire, car tout simplement il y a que des cavernes sous-marines. Franchement je ne vois que ça pour le moment. C'est un peu décevant. Je dois vous avouer, donc on va remonter malheureusement. On va s'arrêter là, mais en repartant, on va tout de suite aller vers, bah, vers la carte au trésor, non, parce qu'on va directement vers le village de Primeria. Mais si on peut passer à côté du trésor, moi personnellement, ça me va. Donc attendez, j'avais pas vu ça, ça peut être bueno ça, attendez. On va avoir une meilleure vision, voilà, le diamant tant attendu. Recherché. Hihihi, il est là le diamant. Sur toute la caverne, si on a eu que 2 diamants, c'est pas fou. Bah on a que 2 diamants. Bon bah écoutez, vu qu'on a eu 2 diamants, je veux bien retenter ma chance à descendre à couche 11. On va encore miner quelques temps. Allez, je vais bien essayer. On va tester. Ok, bon bah écoutez, moi personnellement, je pense que là je vais monter parce que je vais remonter à la surface parce que ça ne sert strictement à rien de rester ici. Oh attendez. Oh la chance! Oh la chance que j'ai! Oh mon dieu! J'ai une chance incroyable. Et peut-être ici. Ah non. Mais quand même, on a eu du diamant dans ce mineshaft. Enfin, parce que là j'en ai un peu marre, c'est vrai. Je vais déposer tout mon stuff et tous mes diamants dans le village de Primeria, enfin dans mes coffres. Et nous les gens on se retrouve déjà si on arrive à côté du trésor. Si on arrive à côté du trésor, bah je vous reprends juste après. Si on n'arrive pas à côté du trésor. Bah je vous reprends dès que je suis au village de Primeria. Allez, à tout de suite. Enfin de retour les gens au village de Primeria. Enfin, oh là là, j'en avais marre. J'ai fait une très grande sortie là aujourd'hui quand même, hein. Une très très grande sortie. Donc c'est parti, on va mettre déjà nos diamants dans nos coffres. Donc je suis assez content. Bon, après la carte vous pouvez voir, je suis très très loin. Donc voilà, on ira pour le prochain épisode bien évidemment. Putain, la maison de Epa est en train de prendre une ampleur sur le village assez conséquente. Donc on va aller sur mon toboggan ou ma cascade, vous dites ça comme vous voulez. J'ai réussi à choper des algues, donc attendez, je vais mettre quelques algues. Hop, histoire de faire beau, lol. Voilà, comme ça, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Allez, on va mettre ça dans ma petite maison. Ah, je suis vraiment très content. Né 23 diamants. Et maintenant, je suis à 58 diamants. Sans déconner, ça, c'est bien. Et là, du coup, 6 blocs de diamants plus 4 diamants. Voilà, ça commence à être plutôt good. Franchement, je suis content. Tac, tac, tac. On va mettre nos petites ressources que nous avons eues pendant cette période de minage ici. Donc, je suis level 22. Donc, j'ai pas réussi à être level 30, malheureusement. En tout cas les gens, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner tout en activant la petite cloche des notifications. Ça me ferait juste super plaisir. N'oubliez pas de commenter la vidéo, de partager la vidéo et de liker la vidéo, c'est super important pour la chaîne. Moi je vous laisse, c'était Darking, on se retrouve demain sur Palladium et après-demain pour Primeria. Bref, bisous tout le monde.